Voici une petite vidéo du déballage d'une commande que j'ai passée à Exoten Insel, qui est une pépinière, enfin un vendeur de graines, de petits plants exotiques rares. Et on va ouvrir ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a la facture, il y a donc deux plants et puis les graines qui sont scotchées ici. Voilà. Donc voilà. Et puis les deux plants. Que dire? J'ai commandé dimanche et on est jeudi. Donc au niveau de la livraison depuis l'Allemagne, ça va. Bon, les plants sont de petite taille, mais vous savez, comme c'est très difficile de faire germer certaines plantes exotiques, elles sont germées. Voilà, ça m'a l'air d'être tout à fait correct. Voilà. On va les sortir. Alors voici les deux plantes. Là, il y a du Katsura hétéroclita. Voilà, qui supporte très moins humide. Je pense que c'est une plante très 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 intéressante. Le fruit est magnifique et paraît-il délicieux. Ici, on a du... Alors c'est quoi ? Marmelada. Donc, je connaissais pas, hein. Moi, de toute façon, sur ce site web, je connaissais rien du tout, hein. Donc j'ai essayé, on va voir ce que ça donne, peut-être qu'on aura des très bonnes surprises. Donc, et voilà sous quelle forme se présentent les graines germées. Donc là, c'est un Eugenia. Je ne vois pas sur la facture, donc je ne sais pas trop, je regarderai tout à l'heure. Parce que j'ai eu quelques... On a fait des échanges également, donc c'est pour ça que j'en ai un petit peu plus. Voilà. Donc, on va mettre tout ça en terre, on va regarder comment ça se comporte. Et puis, voilà, n'hésitez pas également à faire des commentaires si vous avez essayé des vendeurs de graines ou de petits plants exotiques rares en ligne. C'est toujours intéressant d'avoir des feedbacks.